Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, nous partons découvrir La Turballe. Située à 90 km à l'ouest de Nantes, cette commune compte près de 4400 habitants, les Turballais et les Turballaises. Pour commencer notre découverte de ce territoire, on se fait une toile au cinéma Atlantique. C'est dès le début des années 20 que des projections sont organisées ici. Mais il faudra attendre 1997 pour que la municipalité rachète les lieux et qu'une association soit créée pour gérer cette salle. Aujourd'hui, le cinéma propose 4 films par jour. Une programmation exigeante, mais pas élitiste. Bonjour Jérôme et bonjour Jérôme. Nous sommes au cinéma Atlantique. C'est un cinéma qui a vu le jour, qui a toute une histoire, mais en tout cas, il a vu le jour dans les années 80 grâce à la volonté de la municipalité et puis aussi de bénévoles, Jérôme. Alors effectivement, bon, c'est un cinéma qui date bien d'avant 1980. C'est un cinéma qui a vu le jour, enfin c'est une salle avant tout qui a vu le jour dans les années 20, 1926. Comme beaucoup de salles dans l'ouest de la France, c'est une salle qui appartenait au clergé. Celle-ci n'est pas une exception, donc elle a été rachetée dans les années 90 par la municipalité, alors qu'elle était exploitée par un couple de Parisiens pendant l'été, qui venait faire une séance tous les jours pendant l'été. Voilà, l'association s'est créée en 1997, avant vraiment de prendre la gestion effective dans le courant de l'année 2000, après des travaux de rénovation. Alors, en 2000, elle est gérée donc par une association. Jérôme, c'est vraiment grâce aux bénévoles qu'il vit en fait, ce cinéma. C'est un cinéma associatif. Oui, tout à fait. Depuis le début, il y a 70 bénévoles et ça perdure. Après, il y a un turnover régulier, mais on fonctionne toujours à peu près 70-80 bénévoles pour la projection, pour la caisse, même ouvreuse, placeur, pour les différentes commissions qui peuvent exister pour faire tourner le cinéma. D'accord. C'est une programmation qui est exigeante, mais qui n'est pas élitiste. Hein. C'est ça un peu cette volonté de ce cinéma Atlantique. Alors sur la programmation, c'est un accord avec la municipalité dès le départ dans la convention de gestion de faire de ce lieu un lieu qui soit représentatif du champ cinématographique dans sa plus grande diversité, donc en soutenant effectivement le cinéma ASA. Passe majoritairement les films étrangers en version originale sous-titrée. Donc il y avait cette volonté effectivement de soutenir le cinéma ASA, tout en faisant en sorte que ce lieu, comme il l'a toujours été, soit un lieu où tous les Turballais et tous les gens qui habitent à côté, parce que évidemment ce n'est pas un cinéma qui s'adresse qu'aux habitants de la Turballe, mais voilà, on se déplace à 50 km à la ronde pour parfois venir voir les films que nous pouvons programmer ici. Donc c'était de faire en sorte que ce lieu soit accessible à tous dans la programmation, mais aussi depuis le départ sur l'accessibilité par rapport aux différents handicap. C'est aussi une salle qui est accessible à tous, aussi par rapport à sa politique tarifaire. Dès le début, les différents conseils d'administration ont été vigilants justement à veiller à ce que les prix restent abordables pour le plus grand nombre. Vous faites aussi une place à l'éducation à l'image, hein, c'est quelque chose d'important pour ce cinéma, d'ouvrir le cinéma à tout le monde et surtout aux plus jeunes. Oui, tout à fait. Dès le plus jeune âge, dès 2 ans, on proposait Mon Premier Ciné justement pour la découverte de la salle, du côté sombre de la salle justement, qu'il ne soit pas effrayé, et puis avec des vrais petits bijoux qu'on peut proposer pour cet âge-là. Et puis après, l'éducation à l'image, c'est aussi tous les dispositifs qui peuvent exister, dispositifs école au cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma, et au-delà de ça aussi, travailler en collaboration avec les écoles aux alentours. Donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a une commission éducation à l'image qui existe, juste avec des bénévoles motivés qui préparent ces séances-là pour pouvoir les présenter aux élèves, voire même investir les élèves de certains établissements pour que ce soit eux-mêmes qui présentent les séances. Toujours pareil, appréhender le cinéma, l'image et l'esprit critique, quoi. Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux de nous avoir ouvert les portes de ce cinéma Atlantique.
chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour visiter le musée de la pêche. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.